Alors, bonjour à toutes et à tous. Depuis le dernier conseil, il s'est passé plein de choses, comme d'habitude, c'est sûr. La vie, c'est un feu roulant. Déjà, bientôt 5 ans, au mois de septembre, qu'Unifor a été créé. Mais ça, ça a passé, là. On ne l'a pas vu. Mais vous devez savoir que vous avez réalisé de grandes choses. Puis je pense que vous méritez une bonne main d'applaudissements. Les principaux objectifs, c'est qu'on a une campagne électorale au Québec au mois d'octobre et on a établi une plateforme au dernier Conseil québécois. Les gens se sont prononcés en atelier pour dire notre plateforme, c'est nous qui va la décider puis c'est ça qu'Unifor va défendre. Le déploiement de notre plateforme, ça va être majeur. On va se poser la question sur quel rôle on peut jouer pour s'assurer que notre plateforme là, soit diffusée à travers le pays. Cette plateforme-ci est celle-ci. Maintenant, une fois nous avons la plateforme, qu'est-ce qu'on fait? Lors de Blitz, donner un dépliant à tout chacun. Des banderoles, on aidait les gens, on allait chercher les gens qui n'avaient pas de moyens de transport pour aller voter. Le but de faire ça membre à membre aussi, c'est d'engager un dialogue, puis répondre aux questions, puis discuter. The Unifor role in provincial election, it's getting challenging. In Unifor, when we get into a campaign, we just don't follow a party for the sake of following a party. We don't tell our members how to vote, but we encourage them to vote, and we try to make sure that they understand the issues and how who they're voting for will affect their workplace, their family, and our societies. Parce que les politiciens, c'est juste des porte-paroles, mais il faut qu'ils soient sensibilisés à nos enjeux, et je pense que c'est ça qui fait que la politique, ça peut être quelque chose de grand ou de très petit. De réussir à amener tout le monde à être mobilisé sur le même point, c'est un défi qui est là demain, qui va être là après-demain, qui va être là toujours. Oui, c'est un travail exhaustif, mais au moins, on est un syndicat qui est proactif et je suis très fière de faire partie de la grande famille d'Unifor. Notre but est de nous ouvrir et avoir additionné les forces. Si on additionne pas les forces, ben on est faible. So activism matters, being involved in politics matters. Je pense qu'Unifor a pris beaucoup de place dans la dernière année sur la place publique. C'est une question de solidarité. Il faut continuer à travailler pour un monde plus juste. Je pense que ça fait partie de notre lutte à tous les jours, puis il faut continuer à le faire.